Ce dimanche 1er décembre a eu lieu la 15e journée mondiale de lutte contre le sida, 15 années de lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine qui tue encore. Selon l'Institut national de veille sanitaire, l'Île-de-France est une des régions françaises la plus touchée. En 2001, 2,3 cas étaient décelés pour 1000 habitants. Je me rends compte que la maladie qu'on croyait en voie de, non pas de disparition bien entendu, mais de diminution, est en train de prendre un nouvel essor. Sur les Yvelines, selon l'INVS, entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002, 21 cas de sida ont été notifiés, ce qui porte à 1159 cas cumulés depuis 1978. Le centre de dépistage anonyme et gratuit, implanté à l'Institut de promotion de la santé, à Trappes depuis janvier 2002, a déjà accueilli 460 personnes à la fin du mois d'octobre. Si la population venant faire le test est plutôt hétéroclite, les médecins observent une présence accrue des jeunes. Les rapports entre eux sont extrêmement fréquents. Il y a peu, je dirais, de gens qui ont des relations suivies avec la même personne. La jeunesse, je dirais, qui a 20 ans à l'heure actuelle, c'est essentiellement elle qui a oublié qu'il fallait faire attention. Le profil des populations contaminées évolue. Les personnes hétérosexuelles sont aujourd'hui davantage touchées. D'autre part, certaines communautés sont particulièrement exposées. Un des principaux foyers infectieux aujourd'hui, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a une vraie réalité de l'épidémie dans cette communauté-là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'était d'abord de changer le déni dans cette communauté en fierté de se mobiliser. L'association AIDE s'est installée à l'IPS depuis le mois d'octobre dernier pour se rapprocher des populations à risque, souvent en situation de précarité. Si la baisse de vigilance est aujourd'hui l'une des causes de la progression de la maladie en France, l'accès généralisé aux traitements thérapeutiques y participe largement. La quadrithérapie et la trithérapie, on va le dire dans ce sens-là, sont des traitements qui ne soignent pas, ne sont pas curatifs pour la maladie, mais qui essentiellement retardent l'apparition de cette maladie. Ces traitements ont des effets secondaires lourds, les gens n'en ont pas forcément conscience. Il est donc important de rappeler que la prévention est la meilleure des solutions. Avec la fin de la période hivernale la semaine dernière, les Restos du Cœur ont distribué leur dernier panier repas jeudi. Une nouvelle saison de 3 mois bien remplie depuis leur ouverture le 14 décembre dernier, avec un net accroissement du nombre des bénéficiaires de l'ordre de 25% et une nouvelle tendance de plus en plus de personnes seules. Alors Aimé, comment s'est passée cette saison-là ? Bien, très bien, dur, beaucoup de monde, une équipe de bénévoles extra, à peu près 35 bénévoles. Qui ont tourné toutes les semaines. Alors, à ce jour, c'est provisoire, hein, je vous donne des chiffres provisoires, on doit être pour la saison à 42 000 repas pour les 4 communes concernées, c'est-à-dire Élancourt, Maurepas, Coignières, La Verrière. Et nous avons en plus, qui sont venus se greffer, des gens de Rambouillet et des environs. Cette année, nous avons rencontré beaucoup de personnes seules. On avait à peu près 55 à 60 personnes seules, chose que nous n'avions pas les autres années. Dernier coup de balai donc et grand nettoyage de printemps pour ce local. Les congélateurs et les frigos sont débranchés, seuls seront gardées les boîtes de conserve ou les denrées non périssables. Changement à prévoir pour l'année prochaine, le déménagement de ce Resto du Cœur, implanté à la maison de quartier de la Nouvelle-Amsterdam depuis 7 ans, pour le centre de la maison des droits de l'homme Jacques Prévert, toujours sur Élancourt, près du carrefour des 4 arbres.